Bienvenue, chers amis, frères et sœurs, à l'émission, notre émission, et la vôtre aussi, Viens et vois. Nous vous invitons encore une fois de plus à nous joindre et à nous prêter votre attention pendant cette petite demi-heure. Nous parlerons cette fois-ci des choses encore pratiques, comme ce que nous l'avons fait pendant les émissions passées. Nous avons essayé d'être le plus pratique possible. Parce que la parole de Dieu, qui est l'Évangile, n'est pas simplement une théorie, n'est pas simplement une religion, mais c'est quelque chose de pratique que nous vivons et que nous pouvons vivre chaque jour. Et c'est pourquoi je vous invite tous et toutes à nous accompagner pendant cette recherche, pendant cette méditation que nous allons faire sur l'Évangile de Matthieu, selon les paroles que le Seigneur Jésus lui-même a prononcées. Alors, on le fait avec la participation, alors je me tourne cette fois-ci la galanterie, hein. Donc je commence par Dalila. Bienvenue Dalila, finalement je ne peux pas te souhaiter la bienvenue puisque tu es toujours là. Hein. Merci, merci pour ton accompagnement. Et merci, merci Arsène, Meki, merci pour votre présence parmi nous et merci pour ce que vous nous donnez comme nourriture spirituelle. Alors, nous allons prier afin que Dieu nous bénisse. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Et comme tu nous as appris, la prière, c'est s'approcher, c'est remettre les choses, les besoins entre tes mains. Et nous pouvons nous approcher de toi non seulement comme Dieu, créateur de la terre et des cieux, qui est là, assis dans les cieux, mais nous nous approchons de toi dans le nom de Jésus-Christ et dans le titre, Seigneur, que tu t'es donné vis-à-vis de nous, notre Père. Notre Père, notre Dieu, merci de nous accompagner. Merci de nous instruire toi-même par ton esprit et par tes serviteurs. Nous prions pour ceux et celles qui regardent, qui suivent ces émissions. Nous prions, Seigneur, afin que tu leur accordes ta grâce, que tu les bénisses là où ils sont, dans les besoins que nous ne connaissons pas, mais certainement beaucoup ont des besoins de santé, des besoins matériels, des besoins sociaux, familiaux. Nous te prions, Seigneur, de pourvoir à tous ces besoins. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, la dernière fois, nous avons parlé des inquiétudes. Et cette fois-ci, nous parlerons, je m'excuse, je vous ai donné le texte, mettre en pratique la parole de Dieu, mais nous parlerons de la prière, du jugement, je m'excuse Dalila. D'accord. Donc nous parlerons justement des choses que nous pouvons faire subir, hein, donc des personnes dont nous pouvons faire subir de ces jugements. Hein. Nous-mêmes, nous allons juger les autres et aussi notre relation, donc la prière que Dieu nous a donné comme moyen de communiquer avec lui. Et j'espère par sa grâce que nous pourrons développer ces choses. Alors, on commence par le chapitre 7, donc oui. Tout à fait au début du chapitre 7. Alors, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. D'accord. Si tu veux bien le lire, Dalila. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez, qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se détournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc
Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ? Merci. Alors, deux parties dans ce passage. La partie, le jugement, dont on peut juger les autres. Et une partie, c'est cette relation avec Dieu qui est exprimée par le biais de la prière. Alors, on commence par le premier, donc la première partie, les jugements. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement ? C'est émettre ce qu'on appelle un jugement de valeur, c'est dire ce qui est bien, ce qui est mal. On pourrait le résumer de cette manière, et de sanctionner ce qui est bien, ce qui est mal. Ce jugement, c'est condamner. Alors on peut... Et dans cette idée-là, Jésus donne un principe de vie sociale pour vivre le plus agréablement possible. Systématiquement, dans le cœur de l'homme, comme on parlait de l'inquiétude, le jugement également de ce qui est faux, de ce qui est vérité, du mauvais, de ce qui n'est pas bon, de ce qui est bon, etc. Et donc... Ça, c'est aussi inné en nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de justice à différents degrés. Et donc, on sait que l'homme va systématiquement juger. Et là, on a une invitation à ne pas juger. Parce que ça peut créer énormément de problèmes entre les gens. Oui. À votre avis, pourquoi le Seigneur Jésus interpelle l'homme, enfin, les personnes qui étaient devant lui, en parlant justement de ce point-là? C'était aussi une façon de dire que entre les hommes, ils sont déjà dans un état de péché et que leur situation, ils doivent se regarder en tant que tels et se dire que qui ne fait pas d'erreur. Oui. On pourrait le dire autrement, c'est ici, Jésus s'élève contre ceux qui condamnent sans témoigner de la pitié. Et tout en étant aveugle sur leur propre état. Miséricordieux, tu veux dire, au niveau pitié. Oui, de la pitié, de la miséricorde. Oui. J'aime bien le mot miséricorde parce que c'est la misère que Dieu tend, c'est la corde que Dieu tend à notre misère. Nous disait c'est joliment Augustin. Dit ça. Ça, c'est d'Augustin. Mm-hmm. Oui. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du pardon. Oui. Nous avons parlé du pardon, et ici, nous parlons du jugement. Oui. Comment peut-on les placer l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre? La place, nous avons vu très longuement et profondément la place du pardon, qui est très importante, et la place du jugement. Alors, ce sont deux choses différentes, on est d'accord. Mm-hmm. Pardon et jugement, ce sont deux choses différentes. Le pardon... Je dirais c'est un mode de vie, c'est une pratique dans la vie du disciple et de la communauté des croyants. Pour le jugement, Jésus nous dit ici que le disciple ne peut pas prendre la place du maître. Il ne peut pas prendre la place du maître parce que c'est Dieu qui prononcera le jugement final. Ouais. Est-ce que... Le pardon, tu disais que le pardon est un mode de vie. Un mode de vie, oui. Un mode de vie positif. Ah, positif, absolument. Oui. Tout comme le jugement. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que le jugement, justement, absolument, est un mode de vie, mais seulement négatif? Non, le jugement, après je te donnerai la parole, le jugement, la justice de Dieu, il faut la voir comme un bienfait, comme une bénédiction, comme une valeur positive. Mm-hmm. Parce que le mal doit rester un scandale, le mal doit être tôt ou tard jugé. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, quand on traite de la question du jugement, à la fois le jugement a déjà cours ici-bas, puisque Jésus dit dans un autre passage, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc celui qui sème injustice récoltera l'injustice. Mais non seulement Dieu juge déjà ici et maintenant, mais nous dit que lors de sa seconde venue, s'exercera une justice globale. Et c'est pourquoi, et je pense que tout être humain devrait prendre conscience que juger, c'est se mettre à une position de maître.
à la place de Dieu, et dire, bon, ben, je te condamne et je te donne la mort si cette personne fait sa propre justice. Mais il faut surtout toujours se dire que l'homme, quand il juge, il pointe, comme cela, on peut l'illustrer, pointe deux doigts. Ou un doigt. Ou plutôt un doigt. Ou alors on fait comme ça. Ouais. Hein? Toi. Mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a trois doigts qui sont tournés vers la personne même. C'est bien ça. Et c'est pourquoi je me souviens d'une situation extraordinaire dans le Nouveau Testament où une femme est arrivée, une femme prise en flagrant délit d'adultère, ouais, où un groupe de gens, de religieux, est prêt à lapider cette femme, sont venus vers Jésus pour lui demander quelle serait sa position face à une femme, à une telle personne qui, selon la loi, mérite la mort par lapidation. Et que dit Jésus? Donc, ils le mettent devant cet état et lui demandent sa position. Et au moment où on pose la question, Jésus juste dit, à celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jette la pierre. Et chacun dans sa propre conscience a été repris. Ils sont tous partis. Et Jésus, tout simplement, a dit à cette femme, où sont ceux qui t'accusent? Et Jésus dit une parole extraordinaire, va et ne pêche plus. Il ne la condamnait pas, puisqu'il avait la possibilité et le pouvoir de le faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est venu en tant que celui qui apporte la grâce à l'humanité. Alors, on est d'accord pour dire que le jugement, on est beaucoup plus prompt à juger qu'à ne pas juger. Et dites-moi, comment on peut en sortir, en fait, du jugement? Du jugement propre, on est prompt à juger notre prochain. Oui. Il suffit de poursuivre la lecture. Pourquoi vois-tu le grain de sciure qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Ou le brin de paille. On retombe, et c'est souvent ce terme qui revient d'ailleurs, le mot d'hypocrite, n'est-ce pas? Hypocrite qui, une fois encore, renvoie à cette idée d'aveuglement sur sa propre situation. Voilà. Et le seul moyen d'être éclairé sur son état, c'est par le Saint-Esprit. Et quand on a pris conscience que Dieu nous a remis beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes, alors on est mieux à même de remettre celles de celui qui nous a offensés. Bien. Avant de passer à la deuxième partie donc du texte que nous venons de lire, est-ce que vous avez des choses, je dirais, des exemples pratiques des personnes qui ont été jugés ou qui ont jugé et qui ont eu la grâce justement de s'en débarrasser, en quelque sorte, de se libérer du jugement. C'est-à-dire qu'on a à faire face à des personnes qui, au début de leur conversion, au début de leur marche, de leur pas avec le Seigneur, de s'approcher du Christ, ils ont dans leur esprit tout un souvenir de choses qu'ils ont commises. Et qui se sent tellement culpabilisée par ces jugements, tant par des hommes, parce qu'elles étaient comme ça, comme par exemple des personnes qui ont été des prostituées, ou qui ont été jugées, mal vues, ou une autre personne qui a fait commis l'adultère. Combien ces personnes, en venant à la foi, reçoivent de cette parole d'amour, de cette miséricorde de Dieu, que tout leur péché est pardonné. Les anciens péchés, tout ce qu'elles ont commis, ont été entièrement libérées parce qu'elles ont reçu la grâce d'être pardonnées de toutes leurs fautes. Donc, plus de sentiment de culpabilité, ni de par les hommes, parce qu'elles ne reçoivent plus, puisqu'elles ont besoin de ce pardon fondamental qui vient de Dieu. Est-ce que le jugement dans l'Église, est-ce qu'il a une place dans l'Église? Je ne veux pas dire qu'on va le développer, mais je veux dire tout simplement, c'est une chose réelle dans l'Église. Alors, des frères, même si on est spirituel, il nous arrive de juger. C'est simplement pour dire, même si nous avons la parole,
un des problèmes qui peut exister dans le cœur de l'homme, c'est un esprit de jugement, mais aussi dans une forme de religiosité, de condamner les autres par rapport à des textes, des lois de la Bible, la parole de Dieu. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et Jésus nous a sortis de là, et c'est ce que nous enseignons, c'est que nous ne sommes pas un lieu, si il y a un frère qui a des défauts, parce que qui n'en a pas, eh bien de ne pas condamner qui que ce soit dans au sein de l'Église, qui que ce soit. Parce que Jésus nous a appris à jeter cette corde, ou disons d'avoir cette miséricorde à l'égard du frère ou de la sœur, même si elle a fauté, même si elle a un défaut, on ne doit pas la condamner. Alors, il ne faut pas effectivement condamner, mais encore faut-il dire que dans l'Église, le jugement en matière de discipline doit s'exercer. C'est-à-dire, il n'est pas non plus question dans une Église de dire, de faire ou de vivre n'importe quoi. Dans le sens que la discipline, alors, je sais que c'est un sujet non pas très délicat, mais en tout cas délicat, à ce que le jugement ne soit pas disproportionné par rapport à la faute, mais l'idée de jugement dans l'Église existe aussi. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui le dit bien, condamner le péché au milieu de vous. C'est-à-dire de ne pas permettre qu'un péché se développe au milieu de l'Église. C'est-à-dire si je vois quelqu'un qui a... Je donne un exemple concret, un homme qui a profité de la fragilité d'une femme alors qu'elle n'était pas une fragilité, et d'avoir eu un rapport illicite, on est obligé de prendre des dispositions pour dire à cette personne, écoute, là, il y a un problème. Je crois qu'il faudrait réviser comment tu regardes la vie d'Église, ou en tant que disciple, je crois que tu es sous discipline d'une certaine manière, en disant, c'est là... d'éviter de lui donner une quelconque responsabilité ou alors... Oui, la parole dit qu'on peut ne juger pas de ceux du dehors, que le jugement commencera par la maison de Dieu. Alors, il faut resituer ce passage. On y reviendra si tu veux. Mais il parle aussi de jugement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas excuser la pratique du péché. Non, non. Je parle la pratique. Alors après, bon, en matière de discipline d'Église, il y a toute une pédagogie aussi. Alors c'est toute la difficulté à apporter une discipline quand on se sait soi-même pécheur. Alors, si vous voulez bien, puisqu'on est là dans le jugement, est-ce qu'on ne peut pas, placer le jugement dans des catégories ? Bon, nous avons parlé du jugement dans l'Église qui doit se faire, finalement, pour... Et là, on ne parlerait pas de jugement, on parlerait de correction. De discipline d'Église. Oui, mais est-ce que ici il parle de discipline d'Église? Je ne pense pas. Ici, il parle des rapports entre les personnes, entre les croyants, n'est-ce pas? Oui, entre croyants, mais entre croyants, mais ici Jésus parle surtout de la vie sociale. C'est un programme. Il parle d'un programme de vie pour permettre que la vie en société soit bienveillante à l'égard des uns et des autres. Mais si le jugement, je dis bien si le jugement, parce que nous savons que dans les communautés nord-africaines, communautés chrétiennes nord-africaines, nous avons vu notre héritage. Nous n'avons pas eu la grâce d'avoir pendant des siècles la parole de Dieu. Donc, nous avons des habitudes, nous avons des enseignements, etc. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment enracinées en nous. Donc, comment peut-on dire aux frères et aux sœurs, ne jugez pas, parce qu'ils le savent, on le lit. Mais vous avez des choses pratiques, Disons que Jésus a dit, et peut-être le lira-t-on, il faut que la miséricorde triomphe du jugement. Et il dit aussi par ailleurs, c'est avec la mesure dont vous êtes servi que vous serez mesuré. Donc, je veux dire à nos amis, pas de miséricorde pour celui qui n'exerce pas la miséricorde. Et intransigeance pour celui qui est intransigeant. Ouais. Il sera appliqué la même règle. Donc, et comme j'en vis, pour ma part,
comme je veux que Dieu soit miséricordieux à mon égard, je sais qu'en tant que pasteur, vis-à-vis d'une faute, je suis plutôt miséricordieux à mon tour. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de croyants pervers. En revanche, je crois, comme tu l'as indiqué, qu'il y a des croyants qui sont dans des forteresses, dans des structures de pensée. Et le but, ce n'est pas de tomber à bras raccourcis dès qu'il y en a un qui fait une faute, c'est essayer de l'aider à renouveler son intelligence pour que le comportement puisse suivre. Oui. Merci. Alors, nous continuons, et là, c'est la deuxième partie du texte que nous venons de lire. Certainement, nous aurons d'autres textes et nous reviendrons sur la prière, mais il y a quelque chose de très bien ici, c'est que la Bible nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Il y a même dans le proverbe qui cherche trouve, hein, on le dit dans le jargon, je dirais, païen, pas simplement biblique, donc en dehors de l'Église, on dit qui cherche trouve. Alors, ce passage, il nous dit, car c'est le Seigneur Jésus qui parle, hein, qui a dit, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Voilà. Et alors, bon, on peut l'interpréter de différentes manières, ce passage. Voilà. Mais pour moi, c'est demander la grâce et vous recevrez la grâce. Cherchez le royaume de Dieu, sa justice, sa paix, sa joie, et vous le trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que votre recherche, parce que le chrétien est un chercheur. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et sa justice, donc le croyant est un chercheur avant tout. Et que cherche-t-il? Il cherche de mieux en mieux à endosser son identité d'enfant de Dieu. À se saisir, à s'accaparer son identité de citoyen du royaume des cieux. Dans la vie, je reviens dans la vie pratique, parce que c'est très important que des choses pratiques, je dirais... Oui. Alors, jeune dans la foi, et la découverte d'une relation avec ce Dieu lointain à l'époque et qui est devenu proche par la personne de Jésus. Et donc, en lisant les évangiles, je me suis dit, mais c'est extraordinaire cette relation que l'on peut avoir avec Dieu. Je vais chercher un peu plus. Chercher à vivre dans cette communion permanente avec Dieu. Et donc, pour moi, la recherche primordiale, c'était de connaître ce Père céleste, ce Dieu que je ne connaissais pas, qui m'avait été enseigné comme un Dieu lointain, qu'on ne pouvait s'approcher qu'on pouvait pas s'approcher de lui. Eh bien, par Jésus-Christ, j'ai compris que je pouvais avoir une relation proche. Ce qui fait cette recherche, c'était une dimension autre. Et ça a été une révolution. Mmh. Et donc, chercher le royaume de Dieu. Et j'ai mis cette parole en application. Et c'est primordialement une vie de piété, une vie de relation avec le Créateur. Et après, tout le reste suit. Moi, j'ai un témoignage d'une amie qui m'avait raconté ça il n'y a pas très longtemps. Elle avait vécu courant l'enfance avec un papa très autoritaire. Donc qui n'avait aucune communication avec ses filles, bien qu'elles soient toutes jeunes. Et bon, c'était un militaire, ça c'était une parenthèse. Et elle m'a raconté que justement dans cette restriction affective, il y avait même une restriction au niveau matériel, et que pendant toute son enfance, elle avait appris, elle était devant le fait depuis toute petite à ne pas demander ni l'aide de ses parents, même toute petite, ni l'aide aux hommes. Donc elle s'était renfermée, et qu'il avait fallu vraiment des forteresses, comme tu disais, éclatent par rapport à ce vécu, ce lourd passé, et qu'elle s'approprie la parole de Dieu dans le fait qu'elle est claire, que le Seigneur, comme un papa, elle fallait qu'elle redécouvre la notion du père. Demande, ma fille, et je te donnerai. Et qu'elle n'avait pas appris cela durant son enfance, qu'elle avait réalisé qu'elle était passée à côté de plein de choses. Ouais, c'est-à-dire à s'ouvrir vers Dieu, hein, voilà. À cause de l'éducation qu'elle a eue. Oui. C'est oui. Ça. Alors, les versets qui nous restent encore, je regarde un petit peu le temps, les versets qui nous restent, ce sont des exemples donc, qui donnent de la pierre à son enfant. Oui. J'ai regardé dans certains commentaires, il paraît, moi j'ai jamais été en Jordanie, ni en Palestine, mais il paraît que dans le Jourdain,
il y a un type de poisson qui ressemble beaucoup au serpent. Donc on ne peut même pas, si on n'est pas bon connaisseur, on ne fera pas de distinction entre le poisson et le serpent. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il y en a. Et puis on faisait du pain, paraît-il, donc des gens qui ont été en Palestine, qui ont été en Jordanie, ils ont vu des gens faire du pain, et quand le pain est prêt, il ressemble à une pierre. Ah oui. Il est carbonisé. Je ne sais pas comment, mais de toute façon, elle est mangeable. De toute façon, on la mange, on se nourrit de ce pain-là, mais c'est ce qui est bien ici, c'est que on ne trompe pas ses enfants, n'est-ce pas? En fait, dans ces exemples que donne Jésus, d'ailleurs, le poisson qui ressemble à un serpent, on l'a un peu en France avec l'anguille. Oui. L'anguille, n'est-ce pas? Mais ici, une fois encore, Jésus met l'accent dans cet enseignement sur la confiance. Sur la confiance avec laquelle l'enfant du Père peut s'adresser à lui dans sa prière. Parce que ce qui lie le disciple à son maître, c'est une relation de confiance, parce que le disciple sait que Dieu veut uniquement son bien. Et savoir que Dieu veut uniquement notre bien, que Dieu est un Dieu d'abondance, de générosité, c'est aussi ce qui va nous permettre et nous interdire de rentrer dans une relation, comme on l'a dit dans les rencontres précédentes, dans une conception, dans une compréhension mécanique de la prière. Parce que Dieu n'est pas un manicrac, et donc éviter une approche, une conception, une compréhension mécanique de la prière et de son exaucement, d'une part, et d'autre part, c'est sur la confiance en Dieu dans la prière que Jésus va insister. Ouais. Voilà. Alors, donc c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter. Non, le sujet de la prière reviendra encore dans l'une des prochaines émissions. Et puis, nous en parlerons donc peut-être un peu plus profondément. Et puis, on verra. Mais à vous et à vous tous et à toutes qui regardez, comme il est écrit ici, Dieu ne donne pas une pierre si on lui demande du pain, et Dieu ne donne pas un serpent si on demande du poisson. Dieu est avant tout notre Père céleste. Dieu vous aime. Dieu vous aime, même si vous ne le savez pas. Même si vous n'arrivez pas à accepter son amour, Dieu vous aime. Et Dieu veut vous donner, vous bénir. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne. Pour toute réaction que vous aurez des données sur l'écran, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous répondre. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.